Merci tous ceux qui sont là aussi nombreux pour ce sentier. C'est très important. Les campagnes ont été vidées de leurs jeunes en 1914. Puis c'était les premiers à partir faire de la chair à canon, comme on appelle. Bien entendu, on se doit d'un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire aujourd'hui est partagé par les enfants qui vont lire les textes. C'est vraiment très important. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. On oubliera. Les voiles du deuil, comme les feuilles mortes, tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera lentement et tous les morts mourront une deuxième fois. Et vous savez que ce soit dans leurs correspondances ou leurs journaux intimes, il y a de nombreux pénoles engagés dans ce terrible conflit que fut la Grande Guerre qui nous ont laissé des écrits où ils ont raconté ce qu'ils ont vécu, enduré, souffert. Alors leur récit occupe des centaines de pages que nous conservons précieusement dans nos archives. Et en ce jour du 11 novembre, nous avons pensé qu'il serait bon de leur redonner un instant la parole à travers les courts extraits que nous allons vous lire. Notre train s'arrête en gare de Toulon. Là, la foule, composée surtout de femmes, acclame les héros de demain. Moi, j'ose écrire aujourd'hui que toute cette armée de bienfaisance avait sa hiérarchie et ses galons. Et si l'enthousiasme féminin fut général, mieux eût valu qu'elle se couche sur la voie pour empêcher la locomotive d'emporter à la mort le déplorable gibier. À ce sujet, je veux donner ici un détail qui me glaça d'épouvante. Le corps d'un pauvre soldat, placé trop près du bord, laissait passer dans le boyau un bras qui avait fini par se raidir. Et comme nous avancions la tête baissée à cause des projectiles, cette main à hauteur de nos têtes donnait une gifle à chacun de nous en passant. Les conditions étaient épouvantables. Les rats, le manque d'eau, les cadavres autour de nous. Mais le pire, c'était avec la chaleur, l'odeur de nos propres excréments. On se bat, mais on se parle aussi. Noël 1914, quelque part sur le front, dialogue pris sur le vif, extrait. Si vous ne tirez pas cette nuit, nous ne tirerons pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a cette nuit ? Tu sais bien que demain, c'est la Noël. Alors, cette nuit, nous voulons réveillonner. Alors, c'est entendu ? Nous pourrons nous mettre à notre aise ? Nous autres, nous ne tirons jamais la nuit. Hey, je suis votre lieutenant. Ces conversations ont assez duré. Et je vous défends une fois pour toutes de recommencer vos plaisanteries. Je veux les faire réveillonner à ma façon. Ceux qui seront en faction cette nuit, vous aurez pour consigne de tirer une balle toutes les 2 minutes sur le petit poste. Je ne veux d'aucune façon qu'il y ait un moment de tranquillité, les cochons. Ils nous emmerdent assez, quelquefois. Et toute la nuit, on tira sur le petit poste. Les enfants, tous ceux qui n'ont pas connu cette guerre. Tout ce qui a été dit ou écrit sur la guerre de 14-18 ne peut être ressenti que par ceux qui l'ont vécu dans les tranchées. Chaussures délacées, sur des bâtons de bois, en compagnie des invésurables, des rats, des coups, des mortiens. Ajoutez à cela les activités courantes,
Il y a de l'artillerie, d'engins de tranchées, de mitrailleuses, fosses de barbelés, trous de main à droite à gauche, il en passe. Papa chéri, nous sommes bien contents que tu sois de bonne santé et nous espérons que tu reviendras bientôt. Avec maman, nous t'envoyons un colis contenant un tricot et une paire de chaussons, car les matinées là-bas doivent être froides. Ici, elles le sont. Les Allemands étaient mieux organisés que les Français. Et la ville de votre ancien ? Est-ce qu'il y a un mortel ? Ils ont creusé des agrètements sous. À quoi pourraient servir les avions en cas de guerre ? Je vois qu'on a été positionné vers les nuits de haut et avec près de moi par les ceux qui allaient. Oui, les cloches ont sonné, à peine, à Bruniquel, partout, dans toute la France. Et dans les années qui ont suivi, tous les villages ont érigé leurs monuments. Je m'appelle Jérémy Steille-Chaussade, je vis à Vaour. Je suis né un 11 novembre. Mais du coup, depuis que je suis tout petit aussi, je suis marqué par cette guerre-là. Et il faut savoir que dans ma famille, eh ben, j'ai deux arrière-grands-pères qui ont fait la guerre 14-18, mais pas dans le même camp. Il y en a un qui était allemand et l'autre qui était français. J'ai tellement fouillé dans les racines de mon arbre génial et logique qu'un jour, cet arbre, il m'a parlé. On va voir si ça marche. Pour l'instant, ça marche. Ma petite Jeanne chérie, je suis en deuxième ligne depuis 2 jours. Je ne m'ennuie pas et vais toujours bien. Quand tu es en permission, je passe dans le village et sur la passerelle que représente la carte. Tu vois, c'est beau la guerre. Nous a demandé de faire un petit spectacle à propos de l'armistice du 11 novembre. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, ça ne va pas être des chansons patriotiques, mais ça va plutôt être des chansons contre la guerre et pour la paix. Chacun peut avoir son point de vue, mais bon, on pense que c'est mieux de fêter la paix que de fêter la victoire. Garçon.